Bonjour à tous. Hi, welcome to this Toddler's Time series of the French Library. This is going to be the last little workshop that we do before Christmas and before the holiday break on Friday. And we will be back in January and probably with the same setup of the Facebook Live, hoping for returning to the library when the conditions are good. So today we're going to talk about Christmas, about Santa. And this is going to be two, three little games that you can do with your fingers, one song and one album as well. And I'm going to switch in French for the rest of the workshop. Donc voilà, donc aujourd'hui, dernier atelier avant Noël. On va commencer avec un petit jeu de doigts et puis ensuite je vous lirai une histoire qui s'appelle Max et Lapin, la belle nuit de Noël, que vous pouvez lire pour faire patienter vos enfants. Et ensuite, je vous montrerai probablement un jeu de doigts en plus et une chanson. Voilà. Alors, le premier jeu de doigts s'appelle Petit Lutin. Je vais rapprocher un peu mon doigt. Petit Lutin, dépêchez-vous. Le Père Noël a besoin de vous. Le premier fabrique tous les jouets. Le second les emballe à sa façon. Le troisième leur met un joli ruban. Le quatrième les range dans le traîneau. Et le petit dernier doit tout distribuer. Petit lutin, merci beaucoup. Pour l'an prochain, reposez-vous. Voilà, je vous mettrai le texte dans les commentaires. Et vous parler de la nuit avant et qu'est-ce que fait le Père Noël et tout ça, donc à votre avis, que fait le Père Noël? Peut-être qu'il est avec ses lutins et il fait tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe aussi pendant la nuit de Noël? Je me dis si c'est bien, parce qu'il est tout petit, c'est album. Voilà, c'est bon. Ok. C'est un album de Max et Lapin qui est publié chez Nathan et c'est Astrid Desbordes et Pauline Martin. Et c'est elles aussi qui ont publié Mon Amour, qui est un album magnifique de chez Albin Michel, que j'irai peut-être chercher après celui-là parce qu'il est vraiment très beau. Alors, Max et Lapin, la belle nuit de Noël. Demain, c'est Noël. Dans le salon, maman a installé un grand sapin. Et Max le décore bien. Avec des boules, des cloches, une étoile. Puis, Max et papa préparent une tasse de lait et des petits gâteaux. Voilà, il y en a juste assez pour le Père Noël, annonce Max. Avant d'aller au lit, Max met ses chaussons sous le sapin, hop, comme Lapin. Puis il regarde les petites bougies qui brillent au dehors, sur la fenêtre. La nuit de Noël, pense Max, c'est difficile de dormir. Alors il discute. Soudain, ils entendent un bruit dans le jardin. Maman, papa, s'écrie Max, je crois bien que le Père Noël est là. Bien emmitouflé, Max et maman sortent dans la nuit. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un petit oiseau. Juste sur le rebord de la fenêtre, qui faisait du bruit. J'ai une idée, dit Max. Max lui donne des pièces, des miettes de gâteau. Mange, petit oiseau, et envole-toi vite au chaud. Lapin aussi, un biscuit.
Le lendemain, au pied du sapin, il n'y a plus de gâteau, ni de lait. Juste un paquet rouge et doré, et une plume bleue et argentée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit de Noël, à votre avis? Quelque chose dont on peut discuter en famille? Je vais vous montrer un autre petit jeu de doigts qui s'appelle les sapins. Donc c'est un jeu de doigts d'hiver, mais qui est particulièrement bien pour Noël. Alors ça fait un sapin, deux sapins, trois sapins, une forêt. Non, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Un sapin, deux sapins, trois sapins, une forêt. Non, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Et pour terminer, pour revenir sur ce qui s'est passé pendant la belle nuit de Noël, c'est une chanson qui est très connue, qui s'appelle Petit garçon, qui est vraiment un classique en France, qui a été chantée notamment par Henri Dess, mais qui est plus ancienne que ça. Je vous avoue, je pense que ça vient d'une chanson anglaise, mais je ne sais pas exactement qui a écrit la chanson. Alors ça fait: dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller te coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Voilà. Eh bien écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc je vous souhaite un très très joyeux Noël, un très bon réveillon, un très bon réveillon et un très bon jour de l'an. Profitez bien de toute la magie de Noël et si des enfants nous regardent aussi, joyeux Noël et essayez de guetter le Père Noël par la fenêtre. Et donc je vous dis en janvier, we'll see you back in January, we'll see you through the screen. In January, and happy Christmas and happy New Year. Goodbye.